Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Hugassi, Shabbat, Shalom et Vorar, bienvenue aux délices du Shabbat. Eh bien, nous sommes aujourd'hui Ishru Hag. Le lendemain de la fête est appelé Ishru Hag. C'est un petit Yom Tov pendant lequel on montre notre attachement à la fête et qui s'est terminé donc la veille. Et c'est pourquoi on se doit de l'honorer avec, disent les Chachamim, un bon repas. Les commentaires que vous allez entendre aujourd'hui sont tirés du fameux ouvrage du Rav Shimon Barour qui est intitulé « Du Homer à Tisha B'Av ». C'est un ouvrage qu'on vous recommande fortement de vous procurer. Alors donc, il est question, donc, d'après le Ben Ish Hai, écrit que même en cet Yisro Hag du lendemain de Shavuot, c'est plus important que les autres Yisro Hag, c'est-à-dire lendemain de fête, de Pessah ou de Sukkot. On ne dit pas bien sûr les Tahanounim en ce jour, et les Sépharades ainsi que les Ashkenaz qui résident en Israël omettent de le dire jusqu'au 12 Sivan inclus. Celui qui à l'époque du Beth Amikdash ne serait pas monté à Jérusalem pendant la fête pouvait le faire jusqu'à cette date. Ceux qui de nos jours s'efforcent d'aller au Kotel à l'occasion de chaque fête pourront également le faire jusqu'au 12. Alors étant donné qu'à Shavuot, donc pendant ces deux jours merveilleux qu'on vient de connaître, le peuple d'Israël a reçu la Torah au pied du mont Sinaï, cette sainte Torah que Dieu nous a ordonné d'étudier jour et nuit, comme il est dit dans le verset « Ve'agita bo yomam v'laila » tu étudieras en réfléchissant jour et nuit. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons cru bon de nous pencher un petit peu sur le Shulchan Aruch et pour voir cette obligation, comment doit-elle s'appliquer. Quelles sont ses limites, combien de temps et d'efforts on doit consacrer à cette mitzvah. Alors tout d'abord, il est rappelé qu'il est dit qu'il faut enseigner la Torah à ton fils. C'est une mitzvah d'ordre toraïque d'enseigner la Torah à nos enfants, comme nous le disons dans le schéma Israël, « Velimmatem otam et benechem ledaber bam » vous enseignerez à vos enfants afin qu'ils en parlent. Dès que l'enfant donc commence à parler, on doit lui apprendre le verset « Torah Tzivalanu Moshe, Morasha, Keilat Yaakov » ainsi que le premier verset du schéma Israël. On lui enseignera ensuite petit à petit d'autres versets par cœur jusqu'à l'âge de 4 ans. À l'âge de 3 ans, on lui apprendra l'alphabet en hébreu afin qu'à l'âge de 4 ans, il sache lire couramment les versets de la Torah. Et ensuite, on devra l'initier à la lecture correcte des versets avec les voyelles et les théramim, c'est-à-dire les accents toniques, et ensuite on devra lui enseigner toute la Torah écrite et certains Nevi'im, certains prophètes. Alors, apprendre la Torah, c'est une obligation qui incombe non seulement au père vis-à-vis de son fils, mais aussi à chaque homme vis-à-vis de lui-même. D'ailleurs, le Shulchan Aruch
dit dans Yoredea chapitre 24, paragraphe 1, que chaque juif a l'obligation d'étudier la Torah, qu'il soit pauvre ou riche, en bonne santé ou souffrant, jeune ou vieillard. Même un pauvre qui n'a pas de quoi manger et qui mendie aux portes doit fixer un temps pour l'étude, en journée et dans la nuit. Et chaque juif a l'obligation de connaître toute la Torah par cœur. Il n'est pas obligatoire de savoir tous les commentaires et les discussions, mais au moins toutes les 613 mitzvot, ainsi que les 7 mitzvot d'ordre rabbinique, avec les halachot qui les concernent et les raisons de chacune. On pourra accomplir ce devoir en lisant tout le Rambam et le Shulchan Aruch, accompagné du Mishnah Brura, qui explique les halachot et les raisons de chaque din. Celui qui n'a pas eu le mérite d'étudier dans sa jeunesse, eh bien même un juif qui n'a pas étudié la Torah dans sa jeunesse, a l'obligation de l'étudier en entier. Donc l'obligation d'enseigner la Torah à ses enfants concerne aussi le grand-père, qui a finalement la mitzvah de l'enseigner à son petit-fils, le fils de son fils, et, mais pas, disent les Chachamim, le fils de sa fille. La parnassa. Alors en ce qui concerne celui qui travaille pour subvenir à ses besoins, le Rambam écrit qu'il ne devra s'employer pas plus de 3 heures afin que le reste du temps, c'est-à-dire 9 heures, il le consacre à l'étude de la Torah, et s'il n'en a pas la possibilité, il le fera tout au moins à mi-temps. Donc on se doit de travailler une partie du temps et étudier une autre partie du temps. Et c'est valable pour celui qui a les capacités de devenir un Talmid Chacham. Donc important, travailler et étudier. Il faut également s'efforcer de soutenir ceux qui étudient la Torah. Par contre, pour celui qui ne peut pas subvenir à ses besoins, cette façon sera une mitzvah pour lui de travailler toute la journée et d'aider des personnes qui étudient la Torah. Car cela lui sera considéré comme s'il avait étudié lui-même, étant donné qu'il soutient des étudiants afin qu'ils puissent devenir des Talmidei Chachamim. C'est le système de Issachar et Zevulon, c'est bien connu. L'un travaille, l'autre étudie, et les deux tirent profit de l'étude. Quoi qu'il en soit, même celui qui travaille toute la journée, il n'a pas le droit de perdre son temps et ne pas étudier lorsqu'il est libre. Aussi a-t-il l'obligation de se fixer un moment dans la journée et dans la nuit au cours duquel il se consacrera à une étude personnelle pendant 1 ou 2 heures. Qu'en est-il de celui qui est retraité, celui qui est à la retraite ou même celui qui travaille, s'il arrive à organiser ses affaires avec ses employés de sorte qu'il dispose de temps libre, eh bien il a l'obligation d'étudier durant ces moments-là, même s'il n'est pas apte à devenir un Talmid Chacham. Donc, au-delà de tout ce qui a été dit, il y a encore 2 autres mitzvot qui concernent l'étude de la Torah. La mitzvah de Veshinantam, étudier jusqu'à ce que les paroles de la Torah soient claires dans sa bouche, et réviser son étude afin de ne pas l'oublier, comme il est écrit, de peur que tu oublies les paroles de la Torah tous les jours de ta vie. À l'époque où la Torah orale n'avait pas été couchée par écrit, chacun avait l'obligation de le réviser 101 fois, afin de ne pas l'oublier. Aujourd'hui, que tout est écrit, l'obligation de réviser s'étend jusqu'au point où la halakha est claire et parfaitement maîtrisée. Alors, il faut prononcer avec ses lèvres. Dans l'étude, on a le devoir de prononcer avec ses lèvres les mots de la Torah que l'on étudie. Sinon, disent les chachamim, on n'accomplit pas son devoir. Il y a également une mitzvah qui s'appelle Amal HaTorah. Celle-ci consiste à approfondir et s'efforcer de comprendre et de déduire ce que l'on peut comprendre de chaque din, de chaque loi. Voici donc les différentes parties de la Torah. On distingue 4 niveaux dans l'étude de la Torah. Le pshat, c'est-à-dire le sens simple. Le remez, c'est l'allusion. Le drash, ce sont différentes explications. Et le sod, c'est la kabbalah. On a de mérite et de récompense dans l'étude de la Torah que si on comprend ce que l'on étudie. Par contre, la lecture du Zohar est bénéfique pour purifier notre âme, même si on ne comprend pas ce qu'on lit. Et telle était la coutume dans les communautés d'Afrique du Nord de lire le Zohar petit à petit chaque jour afin de le terminer, puis de recommencer depuis le début. Et bien voilà, c'est là-dessus que s'achève notre émission
des délices du Shabbat pour cette semaine au lendemain de Shavuot. Nous vous remercions de votre écoute. Nous vous souhaitons un Shabbat Shalom et Vorar. Merci au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Thank you.